Ce soir, dans Mise au point. La RTS ébranlée par la pire crise de son histoire après les dysfonctionnements révélés au sein du service public. Une crise de confiance également pour les employés quant au traitement des cas de harcèlement par la direction. Reportage. La RTS est dans la tourmente depuis les révélations de nos collègues du temps il y a 3 semaines et les remous éclaboussent toute la SSR et son directeur Gilles Marchand. Une enquête est aujourd'hui en cours pour faire la lumière sur ces dysfonctionnements liés au traitement des cas de harcèlement au sein du service public. À Mise au point, nous nous sommes demandé comment rendre compte de cette crise historique qui nous affecte tous dans notre travail quotidien, avec la volonté non pas de se substituer à l'enquête en cours, mais celle de documenter les faits. Reportage. Cécile During et Cécile Trentien. Je ne m'y attendais pas du tout, franchement. Pour moi, c'était un choc. Je savais qu'il y avait forcément qu'il y a des fois de l'harcèlement, du mobbing. Tout le monde savait qu'il y avait des choses. Je pense qu'il était temps que la parole se libère. Ça ne me surprend pas plus que ça, ces révélations. Harcèlement, mobbing. C'est une bombe. Après des années de silence, la parole se libère à la RTS. Choqué. Peut-être quand même un peu plus de tension. Évidemment, c'est écœuré. Un choc. Là-dedans, c'est très douloureux. J'ai vu des gens pleurer alors que ça faisait 2 ans. Parce que des attitudes pareilles, c'est pas acceptable. La crise de la RTS, nous allons vous la raconter de l'intérieur. Elle commence avec cet article choc du journal Le Temps. 5 pages sur les agissements du présentateur vedette, Darius Rochebain. Mais à l'interne de la RTS, ce qui choque, ce n'est pas ça. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, ce sont ces quelques lignes sur celui que la presse surnomme Robert. Ce cadre est suspecté d'avoir harcelé sexuellement et psychologiquement des employés pendant 10 années. Une enquête est ouverte en 2015, mais le harcèlement n'est pas retenu. Le cadre reste en fonction, il est placé dans ce que ses nombreux collègues appellent un placard doré. 1 an plus tard, il sera nommé au conseil d'administration d'une société suisse pour représenter la SSR. Une affaire qui ressurgit après 10 années et qui aujourd'hui attise la colère. Manifestation au pied de la tour, récolte de signatures et lettres ouvertes à la direction, c'est l'indignation à tous les étages. Je dirais l'ambiance est un peu tendue, on ne sait pas très bien où on va, c'est simplement une fin de règne, on sent que les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que c'est uniquement la rédaction en chef qui va tomber? Est-ce que ça va être plus haut, moins haut? Au contraire, ils ont fait tout juste. Donc on est un peu pris dans l'étau, quoi. Pour moi, le plus important, c'est vraiment que la parole puisse se libérer et qu'il y ait surtout un cadre un petit peu plus serein pour que les victimes puissent s'exprimer. Ça aurait été beaucoup mieux qu'on règle ça en famille, entre guillemets, de manière saine et franche. Mais maintenant que c'est sorti, autant en tirer un bénéfice. Ok. L'article du Temps a fait l'effet d'une bombe, mais le travail continue malgré tout. Même au téléjournal, pourtant au cœur de la crise. Autour de cette table, une chaise vide, celle du rédacteur en chef. Il a décidé de se mettre en retrait le temps de l'enquête. Bonjour, Graham. Pour son adjoint Pierre-Olivier Volet, la pression augmente alors que la période est déjà compliquée. Il y a manifestement des blessures qui sont restées non cicatrisées ou mal cicatrisées. Et tout d'un coup, voilà, il y a des révélations qui sortent à l'extérieur et tout ça remonte d'un seul coup et avec une force franchement assez incroyable. Voilà, on est dans une phase aiguë, quoi, dans une phase de crise. Et ensuite viendra le temps des enquêtes qui sont très attendues sur les cas qui sont ressortis, sur la chaîne de responsabilité. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont importantes pour nos équipes aussi, que nos équipes attendent. Une crise qui aurait largement pu être évitée selon le SSM, le syndicat majoritaire à la RTS. En effet, dès 2014, il a plusieurs fois alerté la direction sur les agissements de Robert. Ces 3 représentants syndicaux ont ressorti pour nous les vieux dossiers. Là, on a l'ensemble de la correspondance qu'on a eue en 2014 avec la direction des RH et la direction de l'entreprise. 6 documents que nous avons pu consulter et qui parlent sans détour de harcèlement et de mobbing. À l'époque, 10 de salariés étaient prêts à témoigner. On avait des témoignages oraux et l'autorisation écrite de témoins.
à faire valoir le fait qu'il voulait témoigner. C'est carrément mentionné, nous avons également exprimé notre interrogation quant au risque que celui-ci pouvait présenter pour l'entreprise par la suite. Quoi. Donc, là, au plus haut niveau, il y a déjà l'alerte que ce n'est pas possible comme prise de risque de ne pas traiter ce dossier correctement. Enfin. Dans ce courrier, le syndicat parle alors de bombe à retardement. Je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience, ou alors, pire, il y a eu peut-être la tentation ou la volonté de cacher les choses ou de ne pas agir de manière efficace et ferme. Au final, une enquête a bien été ouverte, mais sur quelques mois seulement, alors que les agissements, eux, duraient depuis des années. Inacceptable pour le syndicat qui décide de lâcher l'affaire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé plus loin à l'époque? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé tout ça dans la presse à l'époque? Pourquoi vous êtes résigné finalement? Un syndicat n'a pas vocation à porter plainte à la place des gens qu'il représente. Hein. Le but, ce n'est pas d'instrumentaliser des victimes pour aller étaler des choses dans la presse. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Gilles Marchand est aujourd'hui le grand patron de la SSR. Mais au moment des faits, c'était lui le directeur de la RTS. Alors forcément, la question de sa responsabilité se pose dans l'affaire Robert. Après quelques jours de négociations, il a accepté de nous recevoir à Lausanne. Le SSM parlait d'une bombe à retardement. Aujourd'hui, vous assumez une part de responsabilité. Vous auriez dû la découpiller un petit peu avant. Vous savez, un directeur de la RTS ou un directeur général de la SSR, il est finalement responsable de tout ce qui se passe dans son entreprise. Les succès comme les échecs, les potentiels comme les problèmes. Alors j'ai une part de responsabilité, bien sûr, puisque les choses n'ont pas fonctionné parfaitement. Mais avant de réécrire l'histoire moi-même, je pense encore une fois qu'il faut des regards extérieurs, professionnels, pour établir les choses. Pourtant, à l'époque, vous étiez directeur de la RTS, vous étiez aux manettes. On peut dire que vous étiez au courant de ces accusations? Non, alors vous comprenez, il faut bien faire la part des choses, hein, entre ce qui relève des informations factuelles qu'on traite, et puis ce qui relève, au fond, d'un environnement, d'un contexte. Alors, je suis choqué d'entendre ces témoignages aujourd'hui, parce que, évidemment, que ces témoignages-là, je ne les ai pas eus. Ce qui est à relever, c'est que ce que nous avons traité a été probablement bien traité, peut-être pas complètement, pas suffisamment, mais il est faux aussi de dire que la RTS n'a jamais rien fait, il est faux de résumer aussi la RTS à ces cas. Très vite, l'affaire devient politique, même la présidente de la Confédération s'en mêle. Le 9 novembre, Gilles Marchand est auditionné à Berne par la commission des télécommunications. Certains élus réclament des explications, comme la socialiste fribourgeoise Valérie Piller-Carrard. Le dossier lui tient à cœur, car des victimes l'ont contacté personnellement. Ça m'a fortement interpellée, fortement choquée, même voire fâchée, parce que je me suis toujours engagée pour le service public. J'ai toujours défendu la SSR, que ce soit dans les différentes rotations. Et puis là, j'ai senti que j'étais à quelque part trahie par ce qui avait été fait et par la politique de l'entreprise qui avait été mise en place par rapport à ces affaires. Pour moi, c'était important aussi pour les victimes qu'elles sachent qu'elles sont aussi entendues et qu'elles sont aussi entendues au niveau politique. À Aigle, dans le canton de Vaud, c'est un autre son de cloche. Le syndic PLR Frédéric Borloo fait lui aussi partie de la commission qui a auditionné Gilles Marchand. Mais l'élu souhaite calmer le jeu. Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent couper les têtes d'abord. Je veux que les enquêtes soient faites. Il faut maintenant qu'elles soient diligentées rapidement et avec sérieux. Je pense. Et puis, en fonction de ça, des décisions seront peut-être prises. Devront peut-être être prises. On ne peut pas commencer à couper les têtes comme ça. Potentiellement, ça peut avoir des répercussions sur le fonctionnement même de l'entreprise. Et donc, ça peut créer des conséquences qui sont peut-être bien pires pour les employés qu'une situation aujourd'hui qui est déjà très tendue, mais qui est assez bien identifiée et puis qui est prise en main. Soutenu par les uns, lâché par les autres. Gilles Marchand est aujourd'hui un homme exposé, sous pression. Ce mercredi, réunion de crise avec l'actuel directeur de la RTS, Pascal Critin. La tension est palpable, mais le capitaine n'imagine pas quitter le navire pour l'instant. Actuellement, deux cadres ont été suspendus. Notre rédacteur en chef s'est mis en retrait temporaire le temps de l'enquête. Est-ce que vous craignez être le prochain sur la liste? Non, je ne crois pas, parce que nous avons mis en place des structures de gouvernance qui sont tout à fait efficaces, avec notre conseil d'administration, qui joue son rôle d'ailleurs de surveillance de l'entreprise.
On a des enquêtes qui sont indépendantes, les experts ont été choisis de manière concertée avec les partenaires sociaux. Donc cette affaire doit aller maintenant à son terme, et puis je pense que nous évaluerons tout ça sur la base des résultats. Vous vous sentez encore, malgré tout, légitime à occuper ce siège ? Vous savez, je pense que la confiance n'est jamais acquise ad vitam aeternam. La confiance ne se décrète pas, elle se vit, elle se réassure. Je pense que la confiance va revenir. Je pense même que nous pouvons, de cette base-là, repartir un peu différemment. Repartir sur des bases saines, en faisant toute la lumière sur le passé. C'est l'objectif de la direction de la RTS. Pour y arriver, un collectif d'avocats a été mandaté pour recueillir les témoignages. C'est dans ce bureau, à deux pas de la télé, que les employés et même ex-employés sont entendus. Maître Molinier est spécialisé dans la défense des victimes de harcèlement. Cette avocate a déjà démarré les entretiens dans la plus stricte confidentialité. Les témoignages resteront toujours en notre seule propriété et ce sera uniquement pour notre utilisation pour le rapport. Donc ni la direction ni le syndicat ne pourront avoir accès à ces témoignages, évidemment à moins que la personne qui a témoigné souhaite que ce soit le cas. Donc que ce soit bien clair, tout ce qui va se dire ici reste ici. Preuve du malaise, en moins de deux semaines, plus de 120 personnes se sont déjà manifestées pour témoigner. Il faudra donc des mois pour entendre tout le monde. Passé le tsunami des révélations, la RTS fait face ces derniers jours à une nouvelle vague d'indignation, encore plus importante. Dans les couloirs, la parole se libère, bien au-delà du cas Robert. Ce lundi matin, opération coup de poing, organisée par le collectif RTS de la grève des femmes. Regarde ça, regarde celui-là. Une nana qui est au micro à l'antenne, le technicien lui dit « Approche-toi plus du micro, imagine que c'est mon sexe, viens plus près, vas-y, tu peux le faire, ma bite ne va pas te mordre. » Sympa ! Pour la toute première fois, le sexisme ordinaire s'affiche en couleur sur les murs. On a envie de lire quand on voit des jolis papiers comme ça. Mais les jolis papiers, ils disent des trucs assez atroces, quoi. Donc comme ça, les gens vont peut-être un peu plus se rendre compte de ce qui se passe dans cette boîte, parce qu'il y en a beaucoup qui nient, je crois. Qui se mènent, non, mais vous exagérez, de toute façon, vous savez plus rigoler, les nanas. Ah ouais, on sait plus rigoler, ben viens lire, mon gars. Café en main, les premiers employés découvrent étonnés l'étrange mosaïque. Et forcément, le débat s'engage. Là, tu dénonces le patriarcat. Qui est un rapport de pouvoir. Je remarque qu'il y a un certain nombre de phrases qui sont des phrases lourdingues. Non, il ne faut pas les minimiser. Les phrases lourdingues, elles sont violentes de la même façon. En tout cas, appeler à réfléchir à qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui n'est pas drôle. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas ? Qu'est-ce qui... Faut aussi réfléchir dans l'autre sens aussi. Qu'est-ce que, jusqu'où est-ce qu'on veut policer nos rapports ? La marmite explose. J'aimerais dire que ça devait bien arriver une fois. Espérons qu'on puisse construire ensemble et que la direction ne prépare pas la suite seule dans son coin. Quelques étages plus haut, à la direction justement, on retrouve Pascal Critin en pleine réunion stratégique. Son agenda est complètement bouleversé. La crise l'occupe à plein temps. Ouais, non, mais ça, ça, c'est justement, il faut pas. Non, il faut peut-être voir comment schématiser ça. Corona oblige, tout se fait à distance, mais le directeur tient à garder le contact avec le terrain. Cet après-midi-là, il nous invite à le suivre dans les couloirs. Bonjour. Bonjour, Pascal. Ça va ? C'est à vous qu'il faut demander ça. Ça va, ça va. Si ça va pour vous, ça va pour moi. Et si ça va ? Malgré les circonstances. Moi, j'ai besoin de me nourrir de ce que bon, du travail que font les gens, parce que dans le fond, si je ne suis pas en connexion avec l'entreprise, ça ne sert à rien. Mon travail perd même une partie du sens. Hein. Ce n'est pas juste pour redorer votre image. Mais moi, non. Moi, comment vous dire ça ? Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Ce que je fais, je le fais de manière authentique. Voilà. Et je pense d'ailleurs que ça se sent. Voilà. Donc moi, je ne suis pas en train de redorer mon blason, ce n'est pas ça, je n'ai aucune promotion personnelle à faire. Être dans l'action, à l'écoute, c'est ça son credo. Depuis deux semaines, il organise chaque jour aussi 30 à 40 minutes de discussion avec les employés. De ce que j'ai pu observer, c'est une culture qui est ancrée depuis de nombreuses années. On dit aujourd'hui que la parole se libère, mais au fond, le problème, est-ce que ce n'est pas qu'il y a eu un manque d'écoute depuis toutes ces années ? Ben manifestement, sur les cas qui ont été révélés, il n'y a pas eu d'écoute suffisante. Ou alors, les victimes et les témoins n'ont pas réussi, n'ont pas pu, n'ont pas osé peut-être donner leur parole. Et ça nous pose une question.
Pourquoi cette situation? C'est pour ça que le conseil d'administration lance une enquête aussi pour comprendre les causes de cette situation et voir dans quelle mesure, par exemple, nos plateformes ne sont pas adaptées, par exemple, nous n'avons pas les bonnes qualités d'écoute. Voilà, c'est ce que nous voulons régler à l'issue de cette crise. Effectivement, côté plateforme, on peut mieux faire. Voici ce qui se passe lorsque l'on consulte la directive contre le harcèlement de la RTS. Le premier site recommandé est tout simplement hors service. En ouvrant la boîte de Pandore. Des outils à revoir, mais pour le syndicat, c'est surtout la culture d'entreprise tout entière qui doit changer. Pour maintenir la pression, des assemblées du personnel comme celle-ci pourraient se multiplier ces prochains jours et même s'étendre à la télévision publique tessinoise et alémanique.